Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2 avec l'influence du dragon et notre Tibet qui s'étend doucement mais sûrement. Et on va partir vers le sud, enfin vers Xia. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à prendre ben, ces nouveaux territoires, hein, le dernier duché du Xia, avant de l'éliminer définitivement. Je pourrais faire une vassalisation forcée et faire survivre les taoïstes. Non, je refuse. Je vais donc m'assurer de sa destruction. Lui, je ne peux pas. Je pense que j'avais fini une guerre juste avant. Je dois attendre 3 ans encore avant une paix. Donc je ferai une guerre contre lui, probablement une guerre contre le protectorat ici. Parce qu'il me reste cette province à prendre. Et ensuite contre Karen peut-être, ou alors contre le Pala. Pala, il a combien de troupes? Contre le Pala. Juste pour voir comme ça a déclaré, j'ai que de la conquête contre... J'ai que de la conquête, mais ce serait pas mal, hein, une petite conquête. J'avais dit qu'on prendrait les dernières provinces ici pour arriver à la mer, donc des conquêtes petit à petit. Ça se fera. Donc on va se lancer aujourd'hui dans cette première guerre du jour, de la semaine, contre le Xia. Hop. Oui, bien sûr, je fais venir mon officier de la course. Ah non. Il y a des frères que je pourrais nommer. Oui, je vais te nommer toi. La maladie, c'est le... Voilà. C'est lui mon fils parce que c'est un génie déjà. Hein? Parce que... parce que c'est un génie et que lui c'est un imbécile. Donc on va garder les génies. Et toi, on va te mettre... Est-ce qu'il y a une maladie qui règne chez nous déjà? Ah oui, fièvre des camps. On va donc fermer les portes. Pour protéger la famille. Choisir une divinité protectrice, on ne l'avait pas encore fait? Non, bah on va choisir une divinité protectrice. Hop, ici. Je suis bon en quoi? Je suis bon en un peu tout. Je suis pas un génie comme mon futur héritier, mais je suis bon à un peu près tout. La sagesse de la lumière blanche, le protecteur du monde, le courroucé, les autres. Dieu de la montagne. Scellez la porte. Voilà. Et ma femme, c'est une tibétaine, c'est pas une chinoise. Parce qu'on avait... Ah, c'est pour ça qu'on a un fils génie, c'est parce que notre femme est une génie. On n'a pas construit un hôpital dans le coin? Si, mais on va améliorer l'hôpital, parce que c'est nécessaire. Hop, et plus tard, ici, on construira une cité ou un temple. Un temple. En société, il n'y en a pas qu'on puisse se rejoindre. C'est très bien. Troupe. Oh non, je suis atteint de... Hop, très bien. 2000... Ok, ça devrait suffire. On fera venir nos troupes à nous. Ici. Déclarer la guerre. Conquête, conquête duquel? Ou revendication de jure. Non, on va faire des conquêtes, ça augmente la l'autorité morale religieuse. Le plus intéressant, ce serait de faire le premier du LAN, petit à petit vers l'est. Hop, on fait venir nos troupes. Ah, on se tape une guerre en plus contre lequel? Contre lui, mais il veut quoi? Ok, c'est contre lui? Non, c'est contre ce petit con, c'est ça? Troupe, 18 000, ok. On peut pas faire une paix blanche avec toi, final? Non, bah on va vite se débrouiller pour faire... pour avoir une paix blanche. Pourquoi? Parce que je me tape une guerre contre 18 000 troupes là-bas au sud, et que ça va faire mal. Je vais rechercher un traitement médical rapidement. Non, faites pas les cons, vous. Faites le tour par ici. Non, faites le tour par ici. Non? Ah, ok, vous êtes coincé. Bah, allez vous mettre ici alors. Allez, c'est une paix blanche. Ils vont nous attaquer, on n'a pas le choix. Alliance barre.
On se barre, j'ai dit que je voulais une paix blanche alors qu'au sud je me fais... Non, je me suis pas encore fait attaquer. Ah mais c'est contre lui qu'on doit faire une paix blanche. Ah non, on peut plus, mais on pourra faire une paix blanche après. Fièvre des camps, tu m'étonnes, c'est pas pour rien que je me suis mis en réclusion. Alors, il y a une toute petite coupure, pour bruit de chien intempestif. Mais je n'ai pas bougé, j'ai mis sur pause immédiatement, il y a peut-être juste un petit faux raccord. Et hop, là il y en a 18 000 qui me pètent les dents au sud. Non, ils sont que 7 000, à la limite, on peut rapidement finir cette guerre. Vite. On gagne combien? Parce qu'à la limite, on pourra aussi se racheter en plus des défenses. Ils sont 18 000, on pourra pas avoir 18 000 troupes. Mais si on arrive à avoir, je sais pas moi, 2-3 000 troupes en plus. Yes, hop, allez. Bah bon, oui, mais ça attendra. Hop, on va tous les fusionner parce que sinon on va perdre les troupes un difficile seront devant nous. Hop. Et là on est reparti sur une bonne voie. Là ça devrait être mieux. Toujours pas? Mais ils ont quoi comme armée pour faire autant de dégâts? Puis on va faire ça, on va faire le siège rapide de tout leur territoire. Non, parce qu'en plus il y a encore 4000 troupes en arrière. C'est bon maintenant, ça vous calme? Ça les calme, mais pas beaucoup. Hein. Allez, rapide. Moi je veux juste une paix blanche parce que sinon eux ils vont nous prendre un bout de territoire, ça va pas plaire. Alors il faut qu'on finisse rapidement ceci. Ils sont 14 000 là-bas. Et là, on a 7 000 troupes. Et bien évidemment, j'ai pas le temps d'intervenir. Sinon, c'est pas drôle. Offrir paix blanche. Se rendre. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent pour me rendre. Et j'ai plus les troupes non plus. Allez, finis vite cette guerre. On peut lever combien d'armées? Ça ferait... Ça va tout nous coûter. Cela on peut. Ça on peut faire quoi encore? 7000. Trop cher. 8000 troupes ici. Hop, on va commencer. On va commencer, on va se sauver les miches au sud, hein. On n'a pas le choix. Offrir, t'accepterais une paix blanche? T'acceptes une paix blanche. Hop, toutes nos troupes, direction le sud. Hop, on met toutes nos meilleures armées à l'avant. C'est parfait. Non, parce que là c'est gros en fait. Ils ont attendu juste le moment où je déclare une guerre, toute petite, ridicule, pour me contre-attaquer. Hop, garder les informations. Ainsi soit-il. D'ailleurs, on pourrait pas demander de l'aide. Demander une invasion, non. Je peux rien faire. Dites-moi, non. Je refuse. Je dois rapidement intervenir là-bas.
Avant qu'il soit à 100%. Je renvoie, oui. Tiens, si je te tuais, si j'essayais de te tuer. Non, ça marchera pas. Toujours à 99. Reste là. Viens vite ici. C'est tendu. C'est tendu, mais je peux survivre. C'est bon, je reprends du score. Toujours tendu, mais je reprends du score, c'est une bonne nouvelle. Ouh. Dès que cela soit en approche, je pars sur la seconde pour continuer. Et directement après, une fois que j'ai récupéré les trois, je les attaque. Tendu, tendu. Oui, là je suis en stress, hein, parce que ça me perdrait un gros duché quand même. Demander un mariage avec... Je ne peux pas, pourquoi? Parce qu'il me faut... Je ne vis pas en réclusion. Est-ce que la truc est toujours... Il n'y a plus de maladie? Je vais sortir de réclusion. Ok. Je vais choisir un chapelain et toi, mariage. Demande un mariage avec moi. Hop, voilà. Et là, je peux lever la garde chinoise, en plus. C'est moi, ils arrivent vers moi. Non. Allez jusqu'à là, allez libérer celle qui est le plus au fond, qui est le moins intéressant. Je reprends le contrôle, très bien. 5000 là-haut. C'est parce que je vois pas ce qu'il y a ici. Donc ça ne m'aide pas, non. Conseiller, quelqu'un qui m'apprécie. En gouvernement. Ah oui, c'est vrai, ils avaient accordé des titres. C'est moi qui choisis l'accord des titres. La vie est entre vos mains. Je vais revenir en arrière. Ce que j'ai peur, c'est qu'il fasse le tour pour aller jusqu'à ma capitale. Ça pourrait être un souci. Hop, on va affronter une première fois leurs armées. Si je savais ce qu'il y a là, je descendrais sur cette armée-là aussi, mais sans le savoir, ça, c'est un danger. Mon débarras. Juste pour savoir, parce que je vais la faire jusqu'au bout, il ne devra 1300 pièces seulement. Et on fait du plus 21 encore. Ah oui, on gagne de l'argent. Allez, on va quand même descendre, on prend un risque. C'est bon, on prend un risque. C'était calculé un peu quand même. Hop, moins 5% d'occupation. L'influence va s'inverser. Enfin, le tout va s'inverser plutôt. C'est bon toi l'armée. J'ai perdu du temps contre le Xia tout ça. À cause de vous. T'as une autre guerre sur les bras? Oui. Tu fais quoi, toi, tu... Attaquant en revendication de jure. En plus, c'est les mêmes choses, quoi. C'est le même symbole et tout. Pour ça que j'ai cru que c'était eux. Rash. Mais, c'est les mêmes. En fait, la famille, c'est une seule famille. Si on regarde. Non, c'est deux familles différentes qui portent le même nom.
Donc on va regarder. T'as un rachetra machin chouette et toi tu... Ok, c'est deux familles différentes qui sont la même famille. On descend tandis qu'ici... ouais, là ça va être... un tout petit siège et ensuite il va venir rejoindre les autres à Delhi. Objectif, arriver à leur capitale. Ou au 100%. Mais bon, si on arrive à la capitale, on atteindra rapidement les 100%. Hop, et ici, ça tombe. Super. Et oui, bien sûr, on va attaquer les petites troupes qui se baladent. Si on en repère, on fait pas de cadeau. On fait du... moins 8, ouais, ça ce serait inutile de faire un assaut maintenant contre eux. Oui, hein, je suis toujours pas rassuré. Tant que la guerre est pas finie, je serai pas rassuré. Et voilà pourquoi. On n'a pas le temps, ok, on fusionne les armées. Il y a eux qui arrivent en renfort. Et si on met... la crème de la crème. Et là on peut pas. On ne peut pas. Ok. 10 000 contre 15 000 et ils ont un malus. Ou alors. Hop. Encore un mail que je vais devoir ignorer. Faudrait que je les active ça. Paix blanche. Paix blanche, oui. On va faire ça. Non parce que sinon on est mort. On n'aura pas eu les 1000 de compensation, mais c'est déjà pas mal. Et puis, tous les mercenaires que l'on a, c'est-à-dire 5000 troupes, on va les garder contre le palais, je suppose. Et on a tout ça. On pourrait prendre ça contre lui. Combien de troupes tu as? 6000? Non, on va éviter. On va éviter encore une guerre trop bas pour le moment. On attendra des dissensions. On va aller vers le nord. Ouais. T'as de la chance. T'as beaucoup de chance. Les trêves expirent contre Jiquan. Tant mieux. Je l'aide. Ah tiens, t'es nouveau. Enfin non, tu te rebelles, c'est ça? Tu t'es rebellé. Déclarer la guerre, conquête. Bah, ce sera de la conquête aussi. On va aller s'attaquer au Jiquan. Jiquan qui est allié à tout ça. Non, en pacte de non-agression avec tout ça. Très bien. Hop hop hop, on se calme mademoiselle et monsieur. Tu sais quoi? Les oubliettes te conviennent mieux? Ça c'est juste pour la guerre que je viens d'avoir, c'est une petite vengeance. Toi, pourquoi tu ne m'aimes pas? Revendication de titre, primogéniture succession, renvoi du conseil, et si je t'envoie un cadeau? 36, ça va te calmer. Je t'ai quand même offert un territoire, c'est pas rien. Je suis plutôt gentil, non? Oui, je n'ai plus la fièvre des camps. Parfait. Voir, oui, mais c'est pour ça aussi que j'envoie des troupes dans le nord. Tiens, il y avait 6500 troupes. Non, c'est les miennes. Celles que je viens d'envoyer, c'est mes mercenaires. Donc Jiquan, puis eux. Parce que c'est la politique. On commencera probablement que par Jiquan, mais... Et là, vous voulez assiéger une cité. Ah oui, je supporte la tradition. D'accord, hop. Ici.
Toi. Oui, c'est pour l'ensemble. Je vais prendre la dernière ici. La capitale. Déclarer conquête de Jiquan. Et je passe par ici. Et ensuite, j'ai la capitale. Enfin, non, je vais aller à Yumen, à mon avis. Mais ce sera cadeau. Je peux lever la garde d'honneur, pas besoin, c'est bon. Ok, et de là, je fonce ici avant d'aller prendre ma cible. Ah tiens, vous attaquez? Non, vous êtes juste des enflures, ok. On va les attaquer aussi, eux, parce que ce sont des enflures. Il nous reste encore 5 minutes, on peut faire deux guerres, facilement. Toi, tu es un imbécile. Donc on va te mettre dans quelque chose qui te demande pas de trop de maths. Trop de calculs, trop de sciences, etc. On va te mettre religieux. Qu'est-ce que tu veux me dire sur le suprême? Ah, que tu es en prison? Exécuté, cadeau. Tu iras voir ton suprême et... tu vois, je suis gentil, je te rapproche de ton suprême. Et là, eux, on prendra cette partie-là. Parce que c'est l'extrême, etc. Et donc, c'est bien, c'est positif qu'on prenne le plus au bord pour les protéger des invasions chinoises. Le faire remarquer, j'ai pas envie de tuer dans cet épisode, en tout cas. Ça se trouve, d'ici 10 minutes, quand je serai à l'épisode suivant, j'aurai la même chose. Et là, je vais déclarer exécution, mais ici, non. C'est parce que c'est chef. Pourquoi je peux pas? Je peux, c'est bien. Alors l'obligation, c'est moi qui accorde les titres, très bien. Enfin, sans le consentement de mon conseil. 85. Je t'offre la paix, maintenant. Merci. Ça... Ah, j'ai les deux. J'ai pas un membre de ma famille, toi. Garder un titre foncier. Jiquan et tout ce qui est en dessous. Jiquan et tout ce qui est en dessous. Félicitations. J'ai également accordé Yumen. Accorder un titre foncier. Yumen et tout ce qui est en dessous. Je peux pas. Parce que c'est une république, machin chouette. Accorder un titre foncier. Non. Je vais accorder ce titre à mon... Tiens, toi, tu n'es pas mort. Yumen. Il est content et ce sera lui qui deviendra empereur. Et toi, déclarer la guerre. Je ne peux pas. Pourquoi? S'acquit d'une faveur entre Tupo et Dej. C'est qui? Yelpo, Tupo, c'est mon maître espion. Hop, tu es bon, tu es au conseil. Déclarer la guerre, c'est mieux. Et je veux Eijin. Ok, il y a mon fils qui lui déclarait la guerre, pourquoi? Kotian, Eijin. Ah ok, c'était la même guerre, c'est moi qui vais donc la gagner. Faut annexer sa capitale. Ou alors diviser en deux et mettre sur tout le territoire. Allez hop. C'est des guerres contre ça. Voilà quoi. Rien faire, non c'est bon. Mais ne pars pas du territoire. Ah, vous avez pris un territoire à Karen? Je ne vois pas lequel, mais bon. Si c'est le désert, c'est pas le désert, donc je m'en fous. Ça s'étend, ça s'étend, ça devient tout, c'est tout aussi moche. Mais je m'en fous. Ah non, vous pouvez... Vous avez dû laisser quelque chose, c'est pas possible. 57%. On arrive à la capitale. Là, on va laisser un peu de troupes. Ok. Et celle-ci, on l'envoie ici. Alors, je peux faire plein d'usurpations, mais... Je laisse. Les vassaux veulent usurper. S'ils ont assez, ils usurpent. Sinon, ce sera sans moi. C'est pourquoi c'est pour usurper. Toujours la même chose.
On arrive sur le temps, je finis cette guerre. Bon bah c'est mon vassal qui l'a eu. C'est mon fils. Mais toute façon, c'est quoi? C'est Kirghiz. On accordera Kirghiz au duché machin chouette. Et puis... C'était à moi l'avoir. Bien sûr, agitation de nomades, on va y construire un château. Un temple. Un temple. Bip bip. Tiens, allez. Je n'ai pas fâché. Et voilà. Nickel. Sur ce, on se laisse ici. J'espère que cet épisode, qui m'a été pour moi très stressant parce que j'ai eu peur à cause de cette enflure, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge, laissez vos commentaires, je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.